Alhamdulillah, nous continuons l'explication une connaissance qui nous profite avec Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit اتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث وثانيا إلى فهم معناه. Poursuivre hadith, premièrement, nous avons besoin de connaître l'authenticité et deuxièmement, nous avons besoin de comprendre ce significat. Ce signification, premièrement, nous avons besoin de connaître ce hadith authentique ou bien non. Ne pas qu'à se mettre en pratique. Nous avons besoin de connaître ce hadith authentique ou bien non. Comment vous connaissez ce hadith authentique ou bien non? Ce n'est pas comme on dit à l'époque où les prophètes ils se mentaient, les sahabas ils se mentaient, les tabéens ils se mentaient, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, c'était tout un hypocrite, un combat qui se comploter contre l'islam. C'est tout ça, je vous l'ai menté aujourd'hui, c'est toi qui me dirige. Sahaba mentaient, tabéens mentaient, Bukhari, hypocrite, tout ça là, hypocrite mentaient. C'est aujourd'hui, toi tu me sapais pour une véridique, toi tu me respectes, toi c'est qui te veut causer la vraie. Effectivement, il vient à Saint-Salon. Et si ce qui m'a tabé, l'imam Bukhari n'écrit, il a besoin de zéter brûlé. Toi, livre qui te peut écrire le Coran, qui vous a fait? Toi, livre qui te peut écrire le Coran, suivre ce Coran, ça livre qui toi, ton écrire, qui vous a fait? Si Sahaba, tabé, je te dis, il a besoin de brûler quand ce Coran. Ce Coran suffit. Toi, ton livre qui te veut bien. Tu gagneras écrire un livre, toi, est-ce que le Coran est en paix avec toi, écrire un livre? Et une place pour un gars qui a le droit d'écrire un livre, qu'est-ce que c'est ça? Alors, regarde comment un timon, quand il n'a pas compris l'islam, et donc dans les règles, regarde, il me dit, mais Allah, j'ai mis à connaître l'authenticité. Connaître l'authenticité, hadith, c'est pas travail tout jahil, oui, mais en même temps, c'est pas quoi un travail impossible, ça pas pour connaître. Comment? Nous pouvons le voir, Inch'Allah, on peut finir une réflexion, tu vois, tu il n'y a jamais où vous capable de vérifier un hadith parce qu'il n'y a jamais où vous capable soit le prophète, le prophète de l'imam. Comment on peut l'authentifier ça? Comment on peut vérifier si tout cas au prophète ça a été ou tu dis ou bien? Ouais. Comment il arrive avec toi? Quand on a un lap, pourquoi tu n'as certifié pour un authentique? Moi, vraiment, pour avoir un prophète, est-ce qu'il y a un dia ça a été avec moi? Pourquoi? On est tombé là, moi. Peut-être que tu as un lap. Allah dit oui, mon dia, qu'ulluhu Allahu ahad. Hein? Qui s'en est la possibilité de dire aux camarades, moi, mon ancêtre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien toi, l'époque 15 ans, tu nous en as là, l'aide à vous dire, arrête de l'aider, quand tu nous dis. Hein? Regarde comment, tout, c'est ce qui nous tient à raconter, tout argument qui bidate dans ça, qu'est-ce qui bien, tu pourras vivre ça lui. N'importe qui argument qui bidate avancé, qu'est-ce bien en place que vous avez à l'église? Les polis, les courants, ils ne sont jamais pour capables de vérifier l'église parce qu'ils ne sont pas capables de vérifier le prophète. Pourquoi pas vérifier ça? Mais l'église ne peut pas vérifier le Coran. Soit-disant, le Coran, Allah, il cause ça. Qui s'en est fait le Coran? Sahaba, imbécile. Qui s'en est fait le Coran jusqu'à pour toi? Man tabi'in, man ulama. Ça même mange mon qui a mis le Coran via toi, Coran là bon. Ça même mange mon qui a mis le Hadith via toi, Hadith là pas bon. Écoute raisonnement là-dedans, c'est un timon imbécile qui peut suivre Hawa. Donc, il est vrai, est-ce que tout le monde vous connaît pour vérifier le temps sur le Hadith? Non, pas tout le monde. Ça, on est d'accord. Est-ce que, quand vous pouvez dire, pas tout le monde qui peut vérifier le Hadith? Ça veut dire, ça est égal à, il est impossible de vérifier autant ces hadiths. Non. Quelque chose là, c'est possible, c'est facile. Quand il y a la trafic de l'intelligence ou nos autres connaissances, et la danse, parfois, il n'y a pas de rien, et rien ne s'en fait. Déjà, il y a la dire, il a fait du ma'na, ou déjà, il y a compris. Il y a compris le hadith Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a la possibilité qu'un djimoun n'a mal compris hadith. Et ça, parce que hadith, il n'a la possibilité qu'un djimoun n'a mal compris Coran aussi. Il n'a la possibilité qu'un djimoun n'a mal compris Coran. Alors, nous devons rassurer nous. Parce que nous disons un hadith, ou un lit comme ça. Non, nous devons connaître. Est-ce par exemple un hadith, moi aujourd'hui, vous tapez avec ce hadith là. Vous m'avez expliqué ce hadith là. Est-ce qu'il comprend?
من غير حديث لا ماذا بالدليل حديث وبيهم بحدي كتسع حديثنا ماما سسمي كاشتون لكم أبيسي القرى اللي بيت من بيت دولة اللي تسكوب دا حديث اللي تسميكي كنشوف بوقع اللي تكوير دي جميل اللي طوب آية القرآن في مبريجيا بترول مبريجيا بترول حديث بجيا وين على الغير دون العراق أكوز بترول correct et ça va expliquer à cela tu vois quoi les cons t'as vu avec ça hadith Coran tu viens de dire qu'on a la guerre pétrole à la guerre qui est là qui venait là dans l'Irak tu sais pas qui est la guerre pétrole ça Coran a dit déjà ça le premier arrivé au premier hadith là 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 toi ton nom mais il existe depuis l'époque le prophète jusqu'à aujourd'hui moi premier du monde qui n'est pas hadith là mais comment mon capé avec moi c'est venu expliquer vous vous inquiétez mais tout ça un savant qui n'existe avant moi là comment je n'explique ça Hadith, si tu peux expliquer d'une façon, tu peux expliquer d'une façon différente à moi. Impossible, il n'a pas permissible. Comment une fille dit à un dimon, il n'a pas le droit de naissance à un nouveau connaissance. Si tout le monde a expliqué un hadith dans sa façon là, nous visons à aller dans sa même façon là, nous ne sommes pas capables d'inventer signification hadith. Nous ne sommes pas capables d'inventer hadith. Nous pas gagner un droit invente signification hadith si personne peut pas ça pas dire qui c'est ça signification des hadith là si personne peut pas nous pas dire c'est ça signification des hadith nous pas gagner un droit mais dire c'est ça signification OK voilà.